moi content avec vous asoya. Bonsoir guerrier et Nestor Michelet, bonsoir Koumouye, moi content avec vous asoya. Bonsoir guerrier et par contre est dans l'air guerrier. Où on dirait que vous dans l'air. Bonsoir guerrier, bonsoir à toutes auditeurs auditrices capteurs des radios Mega. Donc son plaisir pour Marico. Je dis en guerrier et bien quoi qu'on fait mieux et que nous tester l'un de nos malades mais merci beaucoup, Michelet. Dis-moi, Nestor Michelet, présentez-vous très rapidement, entrepreneur, un citoyen haïtien qui baille en pile travail dans le pays États-Unis d'Amérique. Font une présentation très rapidement avant d'entrer dans le fond dossier. Merci, guerrier. Donc, moi, c'est Michelet Nestor. Moi, fait Port-au-Prince. Je suis ancien policier. Je suis chance de faire droit en Haïti. Et fait droit aux États-Unis. Donc, dirigeant entreprise qui c'est pour groupe, c'est qu'on a plusieurs filiales là-dedans, il y a Seco de sécurité, Seco Hospitality. Et donc, entreprise, ça a environ plus que 4000 personnes qui travaillent là-dedans. Donc, il y a un bureau en Haïti, bureau aux États-Unis, plusieurs villes aux États-Unis, plus bureau en Jamaïque. Et lui, nous, c'est. Et ancien candidat à la présidence Haïti. OK. Kounia, où abay plusieurs citoyens job États-Unis d'Amérique depuis qui l'heure ou commencé nan activité ça? Depuis qui année ou lancé ou nan activité ça? Ça a gagné environ 8 ans. Pendant nous tenons l'école de droit dans Loyola University. Et Nouvelle-Orléans et après réalisation, nous avons décidé en 2010 de tourner en Haïti définitivement. Et puis, pour nous là, nous avons fondé une compagnie Seco Group. Donc, à partir de la fondation Seco Group, nous avons commencé à aider les communautés. Son hein. Compagnie, nous avons fait avec seulement 4 000 $ américains, côté que l'argent taxe a de moins été touché. Donc, avec ça, là, j'en ai pour, disons, avec ça, que nous arrivons, on est compagnons, je dis, en compagnons, des grands compagnies qui viennent de milliers de monde qui travaillent. Donc, c'est une très grande entreprise. Dans quel secteur d'activité ou bien le monde travaille? Dans plusieurs secteurs. Nous, c'est qu'au groupe, comme on dit déjà, les gens ont agence de sécurité là-dedans, c'est qu'au sécurité, les gens ont leur filiale qui c'est qu'au Hospitality, ça veut dire que il va travailler dans un hôtel avec casino, plus si on l'autre branche qui c'est Seco Flight Services, qui va travailler dans avion, dans airport, qui voyait avion avec airport. Kounia, moun sa yo ou ba travaille aux États-Unis d'Amérique, qui jan ou ba youl? Est-ce que c'est yo qui vient dans le bureau? Est-ce que c'est yo qui cherche yo? Et comment ou rive qualifier moun sa yo pour que ou capable permettre que yo jeune travail? Nous avons plusieurs bureaux aux États-Unis, dans plusieurs États. Donc, l'homme qui travaille, il passe dans un bureau, il remplit l'application. Depuis qu'on a une autorisation pour le travail, il fait l'interview dans le bureau. Et après l'interview, donc, dans le qualifié pour le travail, il y a un hôtel que nous avons dirigé. On sait des départements là-dedans et puis nos besoins, nous mettons mon travail là-dedans. Le monde, ça, c'est nous qui payons le tout, nous payons mon assurance de vie, assurance de santé, disons, nous payons plus de bénéfices, nous payons la transportation et il y a plusieurs côtés que nous gagnons caille tout, nous mettons mon lieu dans caille, si on va gagner caille, donc c'est comme ça l'entreprise a fonctionné. Kounia, moi, je connais que il y a des mouns qui. Et qu'on a les États-Unis d'Amérique seulement avec visa qui jouent un travail, comment bagay la Kounia? Est-ce que une décision qui t'a pris là, qui t'a dérangé entreprise ou? Bon, décision qui prend je dis, hein, c'est pas seulement entreprise femme qui l'a dérangé, parce que l'a dérangé et communauté haïtienne d'abord et puis peuple haïtien, parce que son gros communauté haïtienne, bon créole, son coup de couteau que nous matons. Qui décision, immigration ou bien et département d'État prend là et qui fait que je dis à vous même comme entrepreneur, ou senti que son gros coup de couteau. La décision, c'est quoi? Décision, c'est que à partir de jeudi, le pays d'Haïti a autorisé pour le voyer
monde ou bien citoyen haïtien pas autorisé pour participer dans programme côté pour soutien actif pour venir travailler aux États-Unis temporairement, soit c'est dans jardin ou bien c'est dans hôtel, donc yo retirer Haïti dans liste parce que chaque année liste sorti, donc année ça yo gouvernement Trump là et retirer Haïti parce que yo trouvé que gain fraude qui fait dans application surtout ancien là yo rentré yo pas arrêté yo arrêté plus que temps yo ba yo parce que j'ai un programme là yo rentré pour venir travailler aux États-Unis souvent pour venir faire 6 mois programme là yo rentré pour venir travailler aux États-Unis souvent pour venir faire 6 mois obligé faire 6 mois après 6 mois faut retourner en Haïti donc gain haïtien qui arrêté qui pas retourné et yo trouvé que gouvernement haïtien pas travaille bien pas gérer programme parce que son programme d'après à partir de 2014 gouvernement haïtien a été contacté ambassade américaine yo demandé que quel que soit recrutement monde a fini aux États-Unis dans programme ça yo passé dans bureau OIM ou bien dans ONM qui c'est Office national de la migration c'est à partir de ça c'est là pour recruter aussi yo pas passé dans bureau ça yo pas qualifié. Donc, bureau ça, qui se représente le gouvernement haïtien, yo pas fait de la valade, yo pas parlé avec le bureau de Jolé, yo entre aux États-Unis, yo obligé faire un nombre de temps pour yo retourner en Haïti après au fil de travail, yo pas coordonné mon ça, yo pas fait rien pour yo. Donc, avec ça, pour gagner un fiasco, donc, compagnie aux États-Unis, yo pas intéressé pour un monde en Haïti encore parce que, dans tout pays que qui sous liste par exemple l'on prend Jamaïque l'homme à Jamaïque on compagnie voyer application en Jamaïque Jamaïque ça le fait li coordonner programme bien et puis li voyer mon n'a vinn travail tout Jamaïcain retourner dans pays mais haïtien yo pas tourner à l'heure et gouvernement haïtien pas prend soin de programme non c'est pas un programme que yo soucié de vivre vraiment par conséquent nous perdu chance c'est une chance que nous perdu pour qui raison guerrier l'homme sorti en Haïti ou vient travailler aux États-Unis ou faire 6 mois de travail 8 mois de travail l'on fini que à la caille avec un 8000 dollars un 7000 dollars l'on rivo ca pour son taille l'on rivo ca des petites toiles d'école donc on y a leur pas ça pour Haïti encore donc bagage ça fait mal en pile donc que nous mais Nestor Michelet, est-ce qu'on pas penser que c'est politique là qui vient tellement dur qui fait que on prend décision ça Jean yo ouais nous Jean administration Trump là ouais nous ou bien est-ce qu'il y a d'autres pays qui subit de même décision ça tout? Oui, il y a deux autres pays, c'est Haïti, Belize avec un autre pays, mais oui, c'est politique là qui vient dur vraiment, mais le gouvernement non pas et grand à faire non parce que nous pas bien si nous fait bien même les politiques là c'est vrai yo t'a prêt tôt et faut de la li moins là haïtien qui vini avec un pas capable de tirer mais quand même c'est politique parce que regardez que par exemple Haïti et dans l'ONU une résolution qui était prend pour la Jérusalem en Israël donc Haïti voté contre résolution ça alors quand les résolutions Venezuela Haïti voté contre donc avec voté contre les États-Unis donc ça montre que les États-Unis Haïti campé en face des États-Unis mais bon ces décisions politiques là après ils ont affecté nation donc d'accepter que le gouvernement haïtien corrige Kael yo chita avec le département intérieur aux États-Unis pour voir qui gens que Haïti capable retourner sur liste ça a fait guerrier c'est ça capable écrit yon fait yon contacté mon yo yo chita avec yo mande une réunion d'urgence pour une motion ça relon une motion en anglais donc yo préparé yo dire que qui ça on va le faire yo assurer que supposé assurer gouvernement américain que tout le monde qui a rentré aux États-Unis, il a assuré au monde de retourner, il a pas le point instruction, point information pour retourner, il a pas encadré le programme. Le ça, Haïti a des chances pour participer. Mais si Haïti pas fait ça, le gouvernement n'a pas fait ça, c'est très difficile pour nous participer. Nous avons fait tout le gouvernement, toute administration, nous n'avons pas de chance de participer au programme. Ils sont gros problèmes que liés pour Haïti. C'est ça. En tout cas, Nestor Michelet, merci en pile. Et je pense que le pouvoir prend note, le gouvernement prend note, l'État ici prend note et il a fait suivi et sous question. En tout cas, j'espère bientôt nous font un petit parler plus large
sous entreprise ça, sous compagnie ça. Et nous-mêmes, nous disponibles, nous prêts, nous payons consultation avec le gouvernement, avec quel que soit qui veut dans le gouvernement, nous prêts pour nous payer information gratuite pour Haïti capable de chance pour retourner sous liste. Parce que ça qui est important pour nous, c'est bon Dieu, nous avons une chance pour venir travailler aux États-Unis. Parce que Haïti, sous mon bar à travail, ou pas qu'à manger, et l'homme vient de travailler aux États-Unis, retourne à Kobla en Haïti ou aider l'économie haïtienne. Merci. Merci, Michel Nestor, avec l'IC TAPC, bonne de toi et éléments d'information. Son dernière décision, monsieur, prend là, bagadab vin pidu pour Haïtien de jour en jour. Quelques secondes, nous allons parler avec un autre intervenant. Mais mes amis, on font vœu, non, à soi, là. On font vœu, à soi, là. Et on dit tête non bagarre sur nous là ça nous hein moi parler avec Herbert Joseph là tout à l'heure mais on dit tête non bagarre ce n'est pas ta qu'a dit tête nous que même genre gédé nèg dans pays ouais qui gon minimum de fraîcheur même genre ouais des nèg dans pays qui pas acheter des gros machines député sénateur président et ce n'est pas ta qu'a tout dit tête nous on mette la vie, on crée la vie, non? Que yo suspend ou en led. Hein? Tu n'as pas ta café ça, au moins. Pas ou moyen de café ça? Gérer ça? On fait tête nous cadeau ça pour nous dire, nous pas j'aime ça encore. Même j'aime même moi de café. Mes amis, moi saute loin pour m'arriver là. Et puis, gon question m'a pas posé, quand m'a pas fait l'argent, m'a pris des décisions. Mes amis, citoyens qui parlent à vous là, dans le micro ça, ils sortent loin, oui.